Salut, c'est Nathan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, que tu as la forme. Parce que ça tombe bien, nous allons parler de l'immobilier encore une fois dans cette série de vidéos. Et cette fois, ce sera de la Belgique. Voilà. Donc, nous allons parler de l'immobilier, de comment investir dans l'immobilier en Belgique. Comme je l'ai dit, vous avez sûrement le projet de faire un achat immobilier en Belgique, de procéder à une acquisition immobilière, et bien ça tombe bien si vous avez encore des petits doutes. Moi en tout cas, je vais pouvoir vous donner quelques petites précisions au travers de cette vidéo. Comme ça, vous serez motivé à faire votre premier investissement sans pour autant être vraiment un expert, un grand investisseur immobilier. Déjà, qui je suis pour te parler de l'immobilier en Belgique? Je me présente avant tout, je m'appelle Nathan. Je suis auteur du site web gaindereve.com, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et j'ai aussi d'autres sites qui tournent dans le même thème, dans la même thématique, qui est l'immobilier et la création d'entreprises. Donc, avant toute chose, vous allez commencer par vous abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait. Comme ça, en activant la cloche de notification, bien sûr, qui est juste en bas. Comme ça, voilà, dès lors que je veut pouvoir créer un nouveau contenu sur l'immobilier, vous serez alerté et vous aurez bénéficié de cette valeur ajoutée en matière d'achat immobilier en particulier. Donc sans plus tarder, si vous avez de quoi noter, eh ben c'est encore mieux. Comme ça, vous notez tout ce qui vous paraîtra utile dans cette vidéo concernant l'immobilier en Belgique. Déjà, pour tout vous dire, moi j'ai accompagné, ça c'est la deuxième personne que je suis en train d'accompagner en tout cas concernant l'immobilier, parce que j'ai des contacts, j'ai des gens qui ont aujourd'hui deux ou trois biens immobiliers que j'ai accompagnés il y a 2 ou 3 ans en arrière, qui me disent mais voilà Nathan, grâce à vous j'ai eu le courage de faire un achat immobilier en Belgique et aujourd'hui je suis vraiment très satisfait du résultat. Si j'avais pas suivi vos conseils, je pense que j'en serais pas aujourd'hui où j'en suis aujourd'hui. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché belge est considéré par de nombreux analystes comme un marché qui est surévalué, qui est surcoté. Vous imaginez quand même. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Si vous avez de doutes, si vous pensez qu'il y a du risque d'investir dans l'immobilier, en tout cas, moi, je vous dis, ces risques-là ne proviendront pas de l'instabilité du marché. Par exemple, l'instabilité des prix. Ça pourrait par exemple être suite à X ou Y raisons personnelles ou des raisons un petit peu vraiment restreintes suite à ce qui s'est passé au niveau de la ville, par exemple. Mais ça ne sera pas parce que le marché a eu une baisse suite à, je ne sais, j'en sais rien moi. Alors, le marché belge est vraiment surévalué. Donc, c'est assez suffisant comme argument pour vous dire que c'est un bon secteur, c'est un bon terrain pour pouvoir faire un achat immobilier. Alors, un autre point qui est à savoir, c'est que au cours de l'année dernière, les prix de l'immobilier a augmenté de 4,73%. Et non, c'est au cours de cette année, voilà, du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir que les prix des biens immobiliers ont haussé de 4,73% et de 2,54% au cours de l'année dernière. Donc, c'est vraiment une preuve assez convaincante pour vous dire que le secteur immobilier est en train d'évoluer, qu'il n'y a pas, qu'il n'est pas, qu'il n'a pas stagné, d'accord? Il faut savoir que quand même, plus de 2% d'augmentation d'une année à une autre, c'est pas mal du tout pour un secteur immobilier qui est parfois assez vieux, d'accord? Dans le secteur ville, où vous trouverez des biens immobiliers qui sont bien conservés, bien sûr, mais qui datent de 10, 20, 30 ans, voire 50 ans. Donc, il faut quand même savoir qu'il y a une stabilité au niveau, pas qu'au niveau économique, mais aussi dans le secteur immobilier. Et c'est rassurant pour quelqu'un qui compte investir dans un bien à l'étranger. Et un autre point à savoir, c'est que les prix de l'immobilier neuf ont aujourd'hui augmenté de 2,9% au cours de la même année. Donc, attirant ainsi de nombreux capitaux à travers l'économie belge. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une hausse vraiment de 2,9% concernant l'immobilier neuf, donc des maisons qui sont récemment construites.
Voilà des appartements, des villas, voilà des locaux, des locales commerciales, des locaux qui sont aujourd'hui construites dans des villes, voilà des villes belges. Eh bien, il y a une hausse de 2,9% concernant ce bien immobilier-là. Alors, pour parler de la taxe foncière, vous posez sûrement la question, eh bien, comment ça se passe, les démarches administratives? Eh bien, moi, ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est très facile de devenir propriétaire en Belgique en étant étranger. D'accord? Voilà, ce n'est pas très compliqué. Certes, il y a des documents qu'il faut présenter, il y a des procédures qui mettent 2 semaines, 15 jours, quelque chose comme ça. Mais à la base, ça reste quand même acceptable. Il n'y a pas trop, il ne faut pas se retourner le pouce pour devenir propriétaire d'un bien immobilier en Belgique. D'accord? Voilà, pour parler de la taxe foncière, déjà ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, après le boom immobilier des années 2000, cela a fortement amélioré le secteur immobilier de la Belgique. Aujourd'hui, le nombre de transactions d'appartements, par exemple, on va seulement parler d'appartements en particulier, ont dépassé le 8,5%. Alors, si on parle des autres types de biens immobiliers tels que les terrains ou voilà des immeubles ou de biens immobiliers à caractère commercial, ça pourrait éventuellement arriver à 9 voire 10%. Donc des transactions d'appartements, des transactions immobilières sont en train de hausser et cela est une chose assez importante lorsque vous envisagez de faire votre achat immobilier en Belgique. Donc c'est quand même une preuve que le secteur immobilier n'est pas en train de dormir, qu'il y a quand même de l'argent à se faire. Si vous faites attention, si vous investissez dans un bien immobilier qui est de bonne qualité, si vous ne faites pas avoir par des gens, par des agences immobilières qui naissent du jour au lendemain pour disparaître et vous induire en erreur. Donc il faut vraiment vous fier à des vrais professionnels. Si vous voulez faire une acquisition immobilière en Belgique, moi je vous conseillerais de me faire un petit mail, je saurai vous orienter vers la bonne direction afin d'avoir un bon retour par la suite. Alors, la taxe foncière, pour y revenir à nouveau, bien que dénommée précompte immobilier, ces prélèvements sont perçus par voie d'imposition. D'accord? Donc, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on l'appelle en Belgique. Il est dénommé précompte immobilier, mais le prélèvement est perçu par voie d'imposition, encore une fois. L'impôt sur les biens immobiliers est prélevé sur la valeur cadastrale du bien à des taux allant de 1,25% à 2,5% selon la localisation ou l'emplacement de votre bien immobilier. Ben, je pense que vous l'avez bien compris. Donc, la taxe foncière, voilà, c'est de 1,25% à 2,5% selon la localisation. Donc, pour ces personnes qui envisagent d'investir dans des villes qui sont reconnues comme des villes un peu qui abritent les biens immobiliers de luxe, bien forcément, la taxe foncière va augmenter, comme toujours. Donc, il faut faire attention. Si vous envisagez d'investir dans l'immobilier de luxe, il faut vous attendre à une imposition assez élevée, contrairement à d'autres personnes qui investissent dans des biens immobiliers standards, par exemple. Donc tout cela sont des points qui sont à savoir. Voilà, là c'était un petit peu les grandes lignes. En tout cas, la Belgique est un pays très intéressant. Moi, je vous conseille d'investir parce que le retour sur investissement est toujours au rendez-vous. Si vous faites attention de trouver, si vous faites vraiment attention aux points qui sont importants, notamment l'emplacement, la qualité du bien immobilier et plein d'autres. Voilà, donc, mais principalement, on va parler de l'endroit où se trouve le bien immobilier. Il faut que ce soit dans un bon quartier où il est sécurisé, où on peut trouver facilement des activités telles que des écoles, les supermarchés, les arrêts de bus, voilà, les pharmacies, etc., les épiceries. Ce sont des choses que les gens recherchent lorsqu'ils souhaitent aménager dans un nouveau quartier. Donc forcément, s'il n'y a pas ces activités-là, vous aurez du mal à revendre ou à mettre en location votre bien immobilier. Donc c'était là Nathan du blog gandorov.com. Si vous avez des questions, s'il y a un point qui n'a pas été abordé dans cette vidéo, n'hésitez pas de le mettre dans le champ commentaire et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous souhaite de passer de bonnes journées et surtout de faire des bons investissements. On se retrouve à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.